si les légendes disaient vrai. Des héros ont vraiment combattu les nazis pendant les jours les plus sombres de la guerre. Mais bien sûr que c'est vrai. Je lisais déjà la légende de Sky King alors que je n'étais pas plus grand que la petite crevette bleue là-bas. Hé hey. Mais c'est qui ce Sky King? Certains disent que tout a été inventé, mais pas moi. Sky King était une légende, un héros américain équipé d'un jetpack qui a combattu le Troisième Reich. Laisse-moi une chance, Mentor. Renvoie-moi dans le passé pour que je rencontre mon héros. Je regrette, Boulette. De tous les membres de la Freedom Force, tu es le seul qui ne puisse pas y aller. Ton métabolisme accéléré est trop instable pour que je puisse le maintenir dans le flux temporel. Pardon? Je n'ai compris que la moitié de ce que tu as dit. Arsenic et Mascara, Boulette. Il t'explique que s'il te renvoie dans le passé, il ne pourra peut-être pas te ramener. Je suis prêt à prendre le risque. Peut-être, mais pas moi. Ceux qui partiront devront trouver la base de Blitzkrieg. Et si possible, rétablir le contact avec Blackjack. Les héros du passé sont peut-être le seul salut pour notre présent. Bonsoir, ma belle. Tu es vraiment ravissante ce soir. Écoute-moi, Blackjack. L'heure n'est pas aux frivolités. Nous devons immédiatement... Voilà pour la petite française. Maintenant, à ton tour, chien d'anglais. Une attaque sournoise. Cette trahison est un déshonneur pour nous tous. Accepte cet acte en guise d'excuse, honorable adversaire britannique. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mon gars. Mais si je ne m'abuse, tu es un sujet de l'empereur du Japon. Salut à toutes et salut à tous, c'est Fios et bienvenue pour la suite de Jouons à Freedom Force contre le Troisième Reich. Désolé pour le retard de cet épisode, mais voilà, j'ai du travail, j'ai la fac et surtout, j'avais eu un petit problème avec mon PC. Je vous remercie pour les 400 abonnés, hein, ça me fait super plaisir. Je ferai une vidéo spéciale pour les 500, si j'y arrive, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'un désabonnement de masse. Alors on affronte donc, après avoir affronté l'Italie et l'Allemagne, on affronte le Japon en la présence de Red Sun. Alors qu'est-ce que c'est Red Sun? Il va y en avoir plein. On sait pas trop de choses à son sujet, mais regardez, on va faire un truc digne de Paris-Marseille Racing 2. Un camion arrive à 5 km/h, et boum, oh, que c'était magnifique. Il tombe sur la tête, hein, et donc maintenant, on va l'interviewer. C'est parti, Red Sun. Causez un peu, tous les deux. Je cherche Blitzkrieg, et je parie que tu dois savoir où je peux le trouver. Tu as sous-estimé, Red Sun, valeureux ennemi. Nous te conseillons humblement de ne plus recommencer. Il y a eu une explosion? J'ai eu un petit accrochage avec un japonais. Il s'appelle Redson et il aime bien exploser en petits morceaux. Bon, que voulais-tu me dire avant que ces zozo nous interrompent? La résistance dit que Blitzkrieg est sur le point de décoder un message crypté contenant les positions de toute la flotte du Pacifique. Des centaines de navires et des milliers de soldats sont en danger. Blackjack, entends-tu ma voix? Oh dear, c'est encore ce drôle de type chauve comme un œuf? Pardon, ma belle. J'ai oublié de te dire que j'avais été contacté par un groupe de sympathiques cinglés venus du futur. Le plus dingue, c'est qu'ils semblent avoir des super-pouvoirs de folie. Mais serais-tu fou, l'ami? Attends, je t'écoute, Mento. J'ai réussi à rétablir le lien temporel. Un instant. Par les 7 soleils de Galaxia. Il doit y avoir des machines qui affectent le lien temporel dans les environs. Un système de blocage temporel. Si Blitzy et ses hommes savent que vous voulez leur pourrir la vie, se pourrait-il qu'ils soient derrière tout ça? Oui. Il doit avoir des systèmes similaires à ceux que Red October employait pour camoufler son repère. J'ai localisé les bloqueurs temporels, mais il faudra les détruire si vous voulez recevoir de l'aide. De deux choses l'une, soit un drôle de type chauve vient de parler dans ma tête, soit je débloque complètement. T'inquiète pas, chérie. Si c'est vraiment une hallucination, on finira dans un asile de fous, tous les deux dans la même camisole. Suis-moi, Tricolor. Il va peut-être nous aider pour attaquer Blitzkrieg. Je vois une cible. Et voici donc une nouvelle héroïne de la Freedom Force. Tricolor. Donc Tricolour, hein, en français. Elle a un nom anglais, hein, bien sûr, mais... Voilà, ils ont gardé le nom original, puisque je rappelle que ce jeu à la base est sorti aux États-Unis. Donc voilà, on contrôle une Française. Vous découvrirez son histoire à la fin du, à la fin de la mission, à la fin de l'épisode, comme d'habitude, quoi.
Donc voilà, encore une fois, pour l'instant on ne peut pas utiliser les membres de la Freedom Force. On est obligé donc de jouer les résistants pendant la guerre avec Blackjack et Tricolor qui n'ont pas de super pouvoir en fait, ils n'ont pas d'énergie X avec eux. Mais quand même voilà, ils ont leurs gadgets, c'est très bien. Et on a vu que Bullet avait parlé d'un autre super-héros qui s'appelle le Sky King. Alors pour l'instant je peux pas vous dire grand chose dessus, hein. Voilà, je ne spoile pas, mais on va voir si oui ou non on va réussir à le rencontrer. Donc on va essayer de détruire cette espèce d'antenne parabolique, voilà, un petit peu comme il a dit là, le truc, l'antre de Red October. Alors leurs balles traversent les... ils tirent à travers les corps, donc c'est bien fait, les balles traversent les barbelés, donc c'est pas mal. Japonais qui vient de se faire exploser de questions il y a 5 minutes. En fait, voilà, les Red Sun ils font ça, ils invoquent des flammes et les flammes en fait vont s'autodétruire. C'est très puissant, mais voilà, c'est vraiment le cliché des Japonais avec les kamikazes, etc. quoi. L'accent ultra stéréotypé, la règle de l'honneur. C'est un, voilà, c'est vraiment un cliché sur les pilotes kamikazes. Sur Pearl Harbor, etc. Quand par exemple, voilà, les Japonais balançaient leurs avions en tant que pilotes kamikazes, ils balançaient leurs avions sur des bases américaines afin de se suicider. Enfin, ils se suicidaient, mais ils faisaient ça surtout pour détruire les bases et les porte-avions, etc. Enfin, en gros, c'est ça, hein, voilà. Tricolore, elle a deux attaques de front et une attaque de rayon. Donc, je crois que c'est une lame aveuglante, son nom. Voilà, elle a des rayons, mais voilà, pas par énergie X. Voilà, c'est ça. Oula, attention. Bon, on a encore Red Sun là qui nous balance des shurikens de feu. Il a bien évidemment le drapeau du Japon sur la tête. Alors je sais pas pourquoi, mais voilà, j'aime bien ce personnage. J'aime bien. Attention, on va bientôt le détruire. Normalement, je crois qu'il va se détruire tout seul. Allez, Blackjack, vas-y. Blackjack. Attention et oh. Je peux envoyer quelqu'un, mais il subsiste des interférences. Quand vous aurez détruit l'autre, j'enverrai encore de l'aide. C'est dommage que El Diablo n'ait rien dit. Je pense qu'il aurait dit un petit truc. Maquer les petites françaises, si. Bah en fait, non, pas du tout. Alors juste la comparaison quand même. On voit les Anglais et Français qui n'ont pas l'habitude de voir souvent le soleil. On voit leur couleur de peau. Et à côté, on voit le Mexicain qui est vraiment plus plumat, quoi. Qui est vraiment un Mexicain. Bon, on voit bien la différence, hein, voilà. Équipe ayant des cultures mixtes. Voilà, c'est ça. Alors attention, là, j'avais pas vu le tank sur la droite. Et vous allez voir, donc voilà, on voit qu'il y a un obus qui est en notre direction, et bim, voilà, c'est ça. J'ai voulu balancer le brasier, mais en fait, non, El Diablo s'en est vraiment pris plein la gueule. Alors, utilise le brasier, faut se dépêcher. Mais voilà, le truc, c'est ne pas se foutre devant. Si vous foutez devant le tank qui vous pousse, là, vous serez bien dans la merde, en fait. Ouh là, on a détruit l'arbre et un poteau, voilà, c'est un tronc. Mais voilà, on a détruit l'arbre, les arbres peuvent se détruire, c'est magnifique. Il y a écrit quoi là? Suppression? Surcroissance? Ah, surpuissance, voilà, c'est ça. Parce qu'en gros, je voulais attaquer plusieurs fois. Oula, attention, El Diablo, il reste à peine un peu plus de vie. Blackjack, je crois qu'il va se faire rouler dessus. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, putain, dépêche-toi de détruire le. Voilà, vous dépêchez-vous de détruire le truc. Sinon, vous allez vous en prendre plein la gueule. Attention, attention, attention. Voilà. Ouais, merde, faut vraiment attaquer à distance. Mais le problème, c'est qu'ils ont très peu d'attaques à distance, les Européens. Alors que les Mexicains, lui, ils balancent tout dans la gueule, comme ça, toi, tu vois. Alors vas-y Mexicano, vas-y Mexicano, voilà, balancez-lui quand même un petit brasier de temps en temps, histoire de tout exploser à la fin. Voilà, il manque un boulon, attention, qui va venir nous rejoindre à votre avis? Puisqu'on n'a pas choisi, qui va venir nous rejoindre? Alors, je vous laisse deviner, je pense que vous en doutez avec le scénario qu'on a eu au début. Qui va nous rejoindre? C'est à vous de choisir. Allez, un dernier coup. Blackjack, non, Blackjack va se faire écraser, il est mort, oh, la tricolore est mort. Second bloqueur temporel, quelqu'un est déjà reparti dans le passé, mais qui? Salut, je m'appelle Boulette et je suis hyper rapide. Mon dieu, je n'ai jamais rencontré un homme comme lui. T'es pas mal non plus, ma jolie. Boulette, qu'as-tu fait? Je t'avais pourtant prévenu, tu risques de rester dans le passé pour toujours. Le passé a plutôt du bon quand je vois ce que je vois, tête d'œuf. Quand vous aurez fini de flirter, on pourrait se mettre au boulot. On a des frites sur le feu. Attendez, le
centre de décryptage de Blitzkrieg est dans cette base. Mais elle est bien sûr très bien gardée. Fichtre, c'est un sacré bastion. Il va falloir une grosse puissance de feu pour casser ce brick. On ferait peut-être bien d'explorer les lieux avant de foncer. Alors je sais pas pourquoi, mais ils ont réfléchi pendant au moins une heure, puisque là il fait nuit maintenant. Alors la première chose à faire, c'est si vous avez un héros qui vole, vous n'en aurez qu'un maximum, bah vous le faites voler, ça c'est clair, parce que sinon on va avoir de gros problèmes. Et au final, voilà, vous prenez Blackjack, vous lui dites d'aller dans le char. Alors je sais pas si les autres peuvent... les autres membres peuvent rentrer à l'intérieur. C'est Blackjack qui va dessus en fait, parce que c'est le premier personnage. Mais après ça pourrait très bien être autre chose, donc bon, le char est très lent, hein, bien sûr. Mais voilà, il est beaucoup plus efficace que Blackjack, et vous allez voir, il est même un petit peu trop efficace, si vous voyez ce que je veux dire. Donc profitez-en pour ouvrir le chemin et pour buter les... Oh non, putain. Et encore ce Redson. Nos ennemis, nous vous remercions très aimablement de cet honneur. Donc voilà, vraiment, c'est ça, les Japonais, très, très fiers de leur honneur, etc. Attention, voilà, bim, ils vont se buter eux-mêmes en fait. Même s'ils absorbent le feu, ils peuvent très bien se retrouver projetés contre des murs, etc. etc. Mais voilà, c'est vraiment la bataille la plus sanglante qu'on ait eu à faire jusqu'à présent. Oui, par contre, regardez, vous avez vu où il tire un petit peu là. Niveau précision, il y a mieux, quoi, parce que la balle est passe à côté d'El Diablo. Un jour, il va se la prendre dans la... J'ai rien, voilà, voilà, c'est ça. Je savais même pas que c'était maintenant, mais regardez. Tout le monde s'en prend plein la gueule. Le tank aussi. Au moins, ça a buté les cheleux en un temps record, mais il faut faire gaffe, quoi, parce que il y en a plein qui attaquent au corps à corps et... Et ça fait mal. Alors je précise que c'est la seule mission du jeu, on peut avoir un char. Il me semble qu'on ne peut pas avoir de char dans, dans la mission norme, enfin dans les dans le mode de combat en fait. Restauration héroïque, votre colère est un peu celle comme le feu du volcan. Elle ne fait que nous rendre plus forts. Ouais, parce qu'ils ont un. En gros, ils ont un rayon qui nous rend énervés en fait. Très bien, parfait. Le combat durera, plus nous deviendrons forts. Bon, c'est bon, on a compris la merde. Bon, on se dépêche, parce qu'il y en a plein des Red Sun comme ça. Alors voilà, le truc, c'est qu'il faut détruire le building comme ça. Donc là, je vous conseille vraiment d'utiliser que le char. A la rigueur, prenez El Diablo, si vous voulez. Donc c'est la seule fois du jeu aussi où détruire un bâtiment, on pourra cliquer dessus. Parce que si vous voulez détruire quelque chose qui n'est pas un ennemi, il faut faire un clic droit dessus. Sauf pour les barrières, en fait. Mais sinon, les bâtiments, vous êtes obligé normalement, de faire clic droit dessus. Puisque normalement, vous ne devez pas détruire d'immeuble, hein. Alors, occupez-vous des Red Sun, attention, la tornade. Et... Oui ! Il est mort. Même pas, putain, il est retombé sur ses jambes quand même, respect. Bon, là, c'est bon, il a bugué, je sais pas si vous avez vu. Mais de toute façon, là, c'est bon, il est... Bon, bordel, tu vas le buter, là ? Oh, bute-le ! Bute-le ! Putain ! Voilà, putain, absorption, j'avais oublié. Chaque crépuscule en pente d'un soleil levant. Et voilà, au final, prenez le char. Et faites en sorte de tirer sur le voilà sur le bunker. Vous allez voir, le bunker est quand même assez mal foutu, puisque vous allez voir, j'ai rien besoin de dire, vous allez voir, le bunker est assez spécial. Bon, là je ne peux pas prendre la capsule à cause de la barrière, j'aurais peut-être dû détruire la barrière. Donc alors, en attendant, on va aller chercher une capsule de vie, puisque je vois que Boulette n'a que très peu de vie et n'a qu'une seule restauration héroïque. Donc on va prendre Boulette et on va aller chercher la capsule de vie. Voilà. Voilà, donc regardez. Bon, le problème maintenant, c'est qu'il faut tirer sur la partie qui reste. Et c'est-à-dire que comme le car n'est pas... Le char n'est pas très précis. Et bien regardez, même s'il reste un tout petit bout de merde, là, regardez, vous allez voir, le bunker, il reste un tout petit bout, et ben voilà, faut tirer dessus. Donc ça, c'est mal foutu, parce que quand même, je pense qu'on a détruit tout ce qu'il y avait à détruire. Fallait détruire un papier. On a détruit le papier, c'est logique. Eh ben non, faut détruire le toit. Des fois que le papier soit collé au plafond, on sait pas. Donc faut buter le... Ah, voilà, je crois que c'est bientôt bon. On va bientôt pouvoir enchaîner. On a détruit le bunker. Et... Je crois qu'après, la mission s'arrêtera. Je suis pas sûr, mais il me semble que la mission s'arrête juste après. Attention, El Diablo. Ouah, aïe, aïe, aïe. Ouh là, il a rien eu. C'est bon. Oh là là, ça fait mal. Putain, on en a pour des heures. Oh merde. Le centre de décryptage est détruit. Bien joué les amis. Attendez, je sens un danger. Je ne peux pas vous ramener à notre époque si ces machines fonctionnent. À la bonne heure. Bon, c'est pas tout ça, mais voilà, cette vidéo sera un petit peu plus courte que prévu, puisqu'il y a quand même deux personnages à présenter.
Donc voilà, on va buter les deux chars et après la mission s'arrêtera. Il y aura donc deux cinématiques pour des nouveaux héros qui sont très bien faites d'ailleurs, hein, notamment celle de Tricolore. Franchement, c'est une de mes préférées. Donc vous allez voir. Voilà, alors avec un char, allez défoncer un autre char, et avec les trois autres, allez défoncer le char. Comme ça, vous serez tranquille. Bon, la tornade elle est très puissante contre le char, j'ai pas compris pourquoi, parce que bon, voilà quoi. Hein, un char, ça va pas s'envoler, c'est dommage, ce serait bien, je kifferais trop, le char s'envole et ça atterrit sur la tête du méchant, comme dans les comics, quoi. Donc voilà, on détruit. Alors le char, il en est où, là? Je crois que c'est bientôt terminé. Bah de toute façon, je vous dis, hein, on se retrouve très vite, on se retrouvera très vite pour la suite de Freedom Force, voilà, je vous le dis. Comme ça c'est fait, comme ça c'est fait, et bien évidemment, je rappelle juste un truc, mon let's play a été épinglé sur jeuxvideo.com, ça c'est... Putain, ils en sont que là! Et voilà, donc les astuces pour Tales of Symphonia, certaines qui ont été publiées, d'autres ont été publiées sur le mauvais jeu, donc pour l'instant j'ai écrit à JVC, et voilà, donc ça me fait plaisir. Bon, par contre là, regardez, Boulette va bugger à chaque fois, c'est-à-dire qu'on voilà, on va se faire, on va s'en prendre plein la gueule, quand il va se relever, il va se retrouver au-dessus, voilà, hop, il va redescendre, il va s'en prendre plein la gueule, il va se relever, il va se retrouver au-dessus, ah non, là il se retrouve... sur le char, bim, on peut pas monter sur le char, je sais pas pourquoi, il y a une sorte de bouclier ultra dimensionnel qui... Oh putain, Boulette, oh Boulette, oh là là, ça fait mal. Boulette, tu vas réussir, Boulette. Oh putain, c'est pas vrai. Boulette, franchement, là, attention, tornade, voilà, c'est bon. Ça y est, c'est réussi. Bon, écoutez les gens, je vous dis à très bientôt, on finit de buter ce putain de char hitlérien, et c'est bon, quoi, on aura réussi. Voilà, la France, l'Angleterre l'emporte. Bon, messieurs, dames, c'est pas que je m'ennuie, mais je crois qu'il va falloir repartir pour 1963. J'ai vraiment apprécié de bosser avec vous. Et encore plus avec toi, belle demoiselle. Au revoir, monsieur Boulette. Vous vous battez bien pour un Américain. Non seulement j'ai pas pu rencontrer mon héros préféré, mais au moment où je rencontre une super nana, je dois la laisser filer. Mais tu es loco! Comment peux-tu aimer une femme qui mange des cuisses de grenouilles? Allô? Je suis toujours là! Mentor? Mentor! Amenez-le au laboratoire. Commencez immédiatement les expériences. Et si vous lui faites du mal, vous saurez que ça me fait du bien. Laisse tomber, ma jolie. Je t'ai dit qu'ils l'ont déjà renvoyé en 1963. Attends un peu, mais... Regarde ce camion! Mon Dieu! Boulette est prisonnier de ses pourceaux! Il faut le libérer! Du calme, ma jolie! Blackjack ne laisse jamais un ami dans la pétrin! Mais il faut faire ça bien! Les Jeux Olympiques. Peut-on rêver de spectacles plus grandioses? Peut-on imaginer des preuves plus exigeantes? Et ces Olympiades sont les plus éprouvantes de toutes, car elles se déroulent au cœur même du Troisième Reich. Une dernière touche et le match est fini. Mais les citoyens du Reich n'apprécient pas de voir leurs athlètes vaincus par une bretteuse française. Sabine Tricolette est tout sourire. Elle vient de gagner sa troisième médaille d'or. Plus tard, survient un étrange visiteur. Bonjour, qui êtes-vous? Je suis venu vous dire que tu es, comment vous dites en français, incroyable! Pardon, mais c'est privé ici. Privé? Mais ma sœur, à partir de maintenant, rien ne sera plus privé pour moi. Je n'aime pas ce ton. Ne crains rien, petite mademoiselle. Je vais te faire changer ta vie. Ça suffit! Mais que faites-vous à mon esprit? Tu n'es plus en position d'exiger quoi que ce soit. Les années passent. La guerre éclate.
Après la défaite, la France de Vichy collabore honteusement avec les Allemands. Mais quelques braves se dressent contre l'envahisseur et restent fidèles à leur pays. Vite, vite! Il faut aller livrer ces caisses aux hommes de la résistance. Avec ces munitions, nous pourrons repousser ces barbares sans pitié loin de notre belle cité. Qui est-ce? Qui a? Regardez-moi ces pourceaux, alignés devant l'abreuvoir de la trahison. Vous savez ce qui arrive aux ignobles traîtres. Ils tombent sous la lame de la belle de Vichy. Eh bien, bande de marrons, vous avez une dernière chose à dire avant de mourir? Allons, enfants de la patrie! Arrête! Arrête de chanter cet hymne maudit! Tais-toi! La belle agrippe le chef de la résistance et le secoue pour qu'il cesse de fredonner les notes de l'hymne national qui était jadis le sien. Mais en le secouant, elle dénoue sa cravate et un symbole bien connu apparaît sous ses yeux. Rien n'y fait. Elle a beau essayer de déchirer le tissu outrageant, notre bel épéiste s'en trouve totalement paralysé. Et tout en restant immobile, elle commence à ressentir la fierté qui habite les Français dans son pays d'antan. Les Allemands m'ont tout pris, mon esprit, mon corps, mon cœur. Mais ils ne prendront pas ce que j'ai de plus cher. Les sublimes drapeaux tricolores. Venez, mes amis, il est temps de montrer à ces fous de quel bois s'échauffent les Français. Schmann. Sabine Tricolette fait un serment solennel. Ce gnome allemand m'a volé mon identité. Mais il en a créé une nouvelle. À compter de ce jour, je ne serai plus la femme que j'étais autrefois, ni même le pantin qu'il a créé. Et je jure que je les vengerai. Moi ! La mère est une maîtresse intraitable. Et ce n'est pas Hank Waters, pêcheur de son état, qui dira le contraire. Ah, ce bateau va me manquer. Jamais plus je ne pêcherai. Dès que nous atteindrons Boston, je devrais abandonner mon manoir entre les mains des banquiers. Si seulement j'avais une solution. Hein? Le rafut chez mon rafio? Un passager clandestin? Sors de là, jeune fille! Me faites pas de mal, monsieur! Il fallait absolument que j'aille à Boston! Espèce de petite idiote, la météo a annoncé une tempête! On réglera ça plus tard! Je peux peut-être vous aider? Je sais naviguer! Descends dans la cale et tout de suite! L'orage menace de briser le manoir, mais le vieux loup de mer parvient à le garder à flot. Mais le courageux capitaine n'a pas eu le temps de s'amarrer solidement au bateau. Un homme à la mer! Bougez pas! J'arrive, monsieur! Redescends, petite inconsciente! Luttant contre les flots, la jeune fille s'efforce de sauver le marin. Soudain, un éclair d'énergie la frappe de plein fouet. Avec une force titanesque, la jeune fille redouble d'efforts et parvient à atteindre la main du capitaine. Comment tu as réussi à me remonter comme ça? Une petite comme toi n'a pas cette force! Qu'est-ce qu'elle a, votre main? On dirait qu'elle est palmée. Ah! Descends, gamine! Hein? Incroyable, monsieur! Vous avez immobilisé cette vague sur place! C'est impossible! Ça doit être le rayon d'énergie. J'ai dû vous le transmettre quand je vous ai attrapé et ramené à bord. Je commande au flot et à la houle. Comprenant que leur pouvoir les dépasse, ils font le serment de les apprivoiser pour les mettre au service du bien. Hank Waters a peut-être perdu son bateau, mais le monde a gagné Manowar! Sans oublier son incroyable acolyte Sea Urchin!